Bonjour à tous, c'est Emmanuel de Yam Yoga. Alors, je vous propose toujours dans ce beau bel endroit, j'en profite pour tourner quelques vidéos sur le thème d'une posture pour 10 minutes de yoga. L'idée, c'est de vous montrer que vous pouvez choisir une posture et la travailler, l'explorer pendant 10 minutes. Ajoutez à cela 5 minutes de méditation avant ou après ou à un autre moment de la journée et vous aurez fait vos 15 minutes de yoga quotidienne, suffisantes quand vous n'avez pas plus de temps pour vous faire du bien sur le long terme. Avant de commencer, je vous informe que j'ai plusieurs cadeaux pour vous. Je vous aide à mettre en place votre pratique quotidienne de yoga et à rester motivé sur le long terme afin de réellement transformer votre vie grâce au yoga. À travers une conférence en ligne ou bien directement par téléphone à travers un diagnostic personnalisé. Je vous offre également une séance complète d'initiation au yoga en 5 vidéos. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur les liens correspondants dans la description de la vidéo juste en dessous. Pour cette séance, on va travailler la flexion avant. Vous pouvez d'abord la travailler avec les pieds écartés de la largeur à peu près de 2 points. Ok ? Positionnez-vous debout, les pieds à peu près parallèles, à la largeur, écartés à la largeur de 2 points. Et essayez de trouver votre verticalité, essayez de trouver vos appuis et d'engager vos jambes, d'étirer l'arrière des cuisses vers le haut. Vous pouvez exercer une rotation externe des cuisses pour sentir que votre bassin se place en position neutre. Les pieds sont toujours bien ancrés au sol. Seules les cuisses s'orientent vers l'extérieur pour un petit peu engager ses jambes, ce bassin, et permettre à la colonne de s'étirer vers le haut naturellement. Ici, en faisant ça, vous engagez naturellement votre Mula Bandha. Et un petit peu votre Uddiyana Bandha, vous engagez les bandhas du bas du bassin. Détendez vos épaules. Rapprochez vos omoplates l'une vers l'autre et vers les fesses. Ouvrez bien votre poitrine, votre menton est rentré. Vous vous centrez dans cette posture de la montagne avant la flexion avant debout. Vous établissez votre respiration profonde et longue qui va se diriger naturellement dans la cage thoracique, puisque vous avez engagé votre abdomen à travers Mula Bandha et Uddiyana Bandha, à travers cette action de rotation externe des cuisses. Vous respirez en thoracique. Et vous garderez cette respiration profonde et longue tout le long de la pratique. Et puis tranquillement, vous allez glisser vos mains le long de vos jambes, plus ou moins loin en fonction de votre souplesse. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'aux chevilles, vous pouvez glisser vos mains derrière vos jambes et travailler à vous pencher vers l'avant et vers le bas, avec le sternum levé. Vous étirez votre colonne, vous ne fermez pas la poitrine. Vos épaules sont ouvertes, votre poitrine est ouverte. Vous dirigez vos omoplates l'une vers l'autre et vers les fesses. Il vaut mieux travailler ainsi, avec la colonne bien étirée, la poitrine ouverte, afin de mieux travailler l'arrière des jambes. Remuez-moi cette colonne sensiblement, bougez tranquillement dans la posture. Et puis attrapez
vos bras au-dessus de vos coudes et laissez-vous pendre. Vous pouvez micro-plier les genoux ou même carrément plier les genoux pour bien vous laisser pendre, laisser pendre votre tête. Et vous relaxez dans cette flexion avant debout. Respirez dans votre cage thoracique. Vous pouvez imaginer que vous respirez dans votre dos. Vos poumons sont aussi dans votre dos. Profondément et longuement. Puis laissez pendre vos bras. Et remontez vertèbre après vertèbre. Et relevez la tête en dernier. On va recommencer la même chose avec les pieds écartés de la largeur d'un point. Et là, de nouveau, glissez tout en gardant la poitrine ouverte, la colonne bien étirée. Glissez le long de vos jambes, à l'avant de vos jambes ou à l'arrière de vos jambes. Pour aller chercher votre flexion avant, vous pouvez micro-plier les genoux, vous pouvez plier un petit peu les genoux. L'idée, c'est plutôt de ramener le ventre près des cuisses plutôt que d'aller toucher les genoux avec la tête. Là, on préfère garder le sternum vers l'avant, les épaules bien dégagées, la poitrine bien dégagée. Et travailler à ramener ce ventre près des cuisses. Et la même chose, vous allez attraper vos bras au-dessus de vos coudes et vous laisser pendre. Essayez de travailler à ramener ses fesses vers le ciel. Ce sternum étiré vers l'avant. Laissez pendre votre tête. Détendez votre dos. Étirez cette colonne. Amenez-moi ces fesses vers le ciel. Si vous avez les genoux pliés, essayez de tendre tout doucement les jambes, petit à petit. Travaillez ainsi à réveiller l'arrière de vos jambes. Relâchez vos bras. Laissez pendre les bras et remontez vertèbre après vertèbre. La tête en dernier. Et pour finir, vous allez rapprocher vos gros orteils ensemble. Vous pouvez écarter un petit peu les talons si vous avez besoin. Reprenez votre verticalité dans la posture de la montagne. Exercez cette rotation externe des cuisses pour retrouver la neutralité du bassin, votre Mula Bandha, votre Uddiyana Bandha. Si vous ne connaissez pas encore les bandhas, vous pouvez explorer sur cette chaîne. Je vous les enseigne. Et respirez dans votre cage thoracique. Et on va redescendre tranquillement dans la flexion avant. En glissant le long des jambes, vous pouvez rester beaucoup plus haut si vous n'êtes pas assez souple. Vous pouvez descendre beaucoup plus bas que moi. Attrapez vos jambes à l'avant ou à l'arrière. Et travaillez à bien étirer la colonne. Rapprochez votre ventre de vos cuisses dans cette posture. Restez là quelques instants à respirer dans votre dos, dans votre cage thoracique, à l'arrière de votre dos, sur les côtés du corps, là où vous sentez votre respiration fluide. Et puis vous allez étirer
votre colonne vers l'avant en posant vos mains sur vos jambes à n'importe quelle hauteur qui vous va bien. Les bras tendus, étirez-moi cette colonne. Depuis le coccyx jusqu'au crâne. Et tranquillement remontez. Alors maintenant, on va faire une dernière variation avec de nouveau les pieds écartés de la largeur d'un point ou deux. Et vous allez descendre et essayer d'aller attraper vos orteils. Si vous ne parvenez pas à attraper vos orteils, restez dans une des trois variations qu'on vient de voir et travaillez dedans. Là, vous attrapez vos orteils, vous étirez votre colonne vers l'avant avant de plier les coudes vers l'extérieur pour essayer de descendre un petit peu plus dans la posture. Ici, vous sentez vos omoplates se rapprocher l'une de l'autre, vous activez vos omoplates pour les rapprocher l'une de l'autre et les tirer vers les fesses afin de bien ouvrir la poitrine. Toujours pareil, on garde la poitrine et les épaules ouvertes. Et voilà une façon un peu différente de travailler la posture. Vous pouvez très bien plier les genoux pour pouvoir crocheter vos orteils, hein, les crocheter entre index et majeur et pouce. Et puis travailler à essayer de déplier un petit peu ces genoux dans la posture si vous les avez pliés. Et puis vous allez de nouveau tendre les bras pour étirer la colonne. Remontez peut-être un petit peu le long de vos jambes pour bien attirer la colonne. Puis on va faire une dernière variation où on va mettre nos mains sous nos pieds. Vous marchez gentiment sur vos mains avec vos pieds, les mains, les dos des mains sont au sol, vos pieds sont dans la paume de vos mains. Vous pouvez plier les genoux si vous n'atteignez pas le sol. Et ici, pareil, avec l'action des coudes vers vous, et essayez d'aller un petit peu plus loin dans la posture. Si vous n'arrivez pas à plier les coudes, vous travaillez à essayer de tendre les jambes, d'envoyer vos fesses vers le ciel. Et travaillez dans cette posture, toujours pareil. Les omoplates se rapprochent l'une de l'autre et vous les tirez vers les fesses. Et quand vous serez prêt, vous étirez votre colonne vers l'avant pour remonter tranquillement. Intégrer quelques secondes dans cette posture de la montagne. Intégrer les effets de la flexion avant sur votre corps. Namasté.